Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shisa Gaming. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo rapide suite à une demande que j'ai eue sur un commentaire concernant le heal quand on est débutant. En effet, quand on veut tenter les spirales abyssées, on tombe facilement sur le piège de on ne peut pas utiliser ni de nourriture pour se soigner ou pour se booster. Donc il est important de se munir d'un healer si jamais notre combo DPS de l'équipe n'est pas assez puissant. Cette vidéo a pour vocation de vous donner toutes les billes pour que vous puissiez en free to play exceller dans les abysses et pouvoir monter et récupérer Xiangling lorsque vous serez au Spiralé 3. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît, mets un like, ça supporte la chaîne. Nous sommes bientôt 350, c'est vraiment bien. Merci à tous, objectif 1000, je vous attends, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos et qui ne sont pas abonnées. Si ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un like, ça supporte la chaîne et vraiment ça m'aide beaucoup dans ma démarche de référencement de YouTube. Maintenant, c'est parti. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur un compte free-to-play. Je vous montre clairement pour vous prouver. Donc, je suis AR37. On peut voir au niveau de la boutique que je n'ai rien acheté. J'en ai pas acheté du tout. Les packs, j'ai rien du tout. Et les échanges astro, pardon, les recharges. On voit bien qu'en fait, tous les bonus sont là. C'est un compte que j'avais créé en parallèle de mon compte avec lequel je fais toutes mes vidéos. Et j'avais laissé ce compte de côté parce que j'avais essayé d'avoir un 5 étoiles dès le début, vous savez, et ça n'avait pas fonctionné. Ceci étant, avec le temps, j'avais cumulé tout un tas de primogèmes, et lorsqu'il y avait eu la bannière Kokomi, j'avais fait des vœux, et j'avais eu la chance du débutant, et je récupérais Kokomi. Donc du coup, je me suis dit, plus tard, ce compte, il va m'être utile, bien que Kokomi, elle n'était pas encore à sa juste valeur. Et maintenant que Kokomi est l'un des personnages vraiment principaux pour certaines teams très puissantes du jeu, je me suis dit pourquoi pas prendre ce compte et faire des vidéos avec les gens. Donc voilà pour l'histoire de ce compte. Maintenant, concernant les spirales abyssées, ce qui est important de savoir, je crois que elle se débloque au niveau 20 si je ne me trompe pas, AR20. Et que lorsque vous avez l'AR20, il est fort possible que vous ayez déjà tué Dvalin, le dragon. D'accord, vous avez fait l'affrontement et au niveau de l'histoire, vous avez fait l'évolution jusqu'à la fin du prologue de base, acte 3. Et vous avez fait la quête qui s'appelle Pour l'ombre sciant. Si je vais dans les archives et que je regarde l'historique des quêtes, je prends le prologue acte 3 et on voit ici Pour l'ombre sciant, c'est le combat contre Valine. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez la possibilité de récupérer Barbara. Oui, il y a un événement qui va apparaître dans votre aperçu des événements qui s'appelle Hymne Fervent. Et en fait, MiYoYo vous donne Barbara. Donc Barbara, en fait, c'est votre premier healer. Elle est hydro-catalyseur. Elle a ses fonctions au niveau de healer qui sont pas trop mal. Et ça va être votre pièce maîtresse si vous êtes free-to-play et que vous n'avez pas d'autres healers pour faire les abysses. Et je vais faire ce tutoriel autour d'elle et autour d'une team que vous pourrez faire avec les personnages principaux afin de pouvoir monter très rapidement jusqu'à l'abysse niveau 3 et pouvoir le finir et récupérer Xiangling. L'événement en question dont je vous parle, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il apparaît et vous pourrez directement cliquer pour récupérer Barbara et avoir le personnage et le monter. Maintenant, passons à son build à elle avant de commencer un tutoriel sur les spirales abyssées. En tant que premier personnage, donc, Hydro qui va vous aider, à part si vous avez eu de la chance au niveau des poules avant, comme ben, par exemple Shinkyu ou Bennett, vous serez vraiment bien au niveau des abysses, vous n'aurez pas besoin de Barbara. Mais ici, en fait, on va parler free-to-play, on va parler pas beaucoup de vœux, on débute, on ne sait pas trop comment optimiser le gain des primogèmes dès le début pour avoir plein de vœux et pour avoir plus de chances d'avoir des personnages avant le niveau 20. Donc, je vais vous présenter un peu Barbara. Barbara, on voit que la mienne... Alors, attendez. Je vais couper sa voix, parce que sinon elle va vite me gonfler. Donc revenons sur notre Barbara. Donc oui, c'est un personnage qu'on voit que j'ai monté level 20. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe le cap des 20 et qu'on fait l'élévation, on récupère un vœu. Donc j'étais sur l'optimisation pour avoir un fond de vœux. Et du coup, ben, j'avais fait ça. Barbara, c'est un catalyseur, mais c'est surtout un support, purement support. Il ne fera pas forcément des dégâts, il peut provoquer des réactions, mais il va surtout appliquer Hydro et soigner votre équipe. D'accord? Donc il part sur en fait un personnage qui va fonctionner avec ses PV. On peut voir ici qu'elle fonctionne avec un catalyseur. Donc bien sûr, la première chose à faire si vous l'avez, c'est de lui mettre ce tome-là. Ce tome-là, Histoire de chasseur de dragons, donne des PV. Et vous allez voir que Barbara scale sur les PV au niveau de son heal. Donc c'est très important d'avoir des PV. Plus elle aura de PV, plus elle va soigner.
Et on voit qu'en plus, eh bien, lorsqu'on change de personnage, on récupère de l'attaque. Là, il est Refinement 5, puisque c'est une arme 3 étoiles qu'on a souvent. Donc, vous l'aurez facilement Refinement 5 dès que vous ferez des vœux. Et il ne faut pas hésiter en fait à l'utiliser et en faire 2 ou 3 pour donner à vos différents healers, histoire de pouvoir, ou catalyseurs, histoire de pouvoir en fait optimiser votre équipe avec ce gain d'attaque super fort après, lorsqu'on switch. Donc moi, on voit que là, ici, j'en ai un ici sur Sucrose que j'ai laissé level 1. Et je vais prendre celui que j'ai sur Kokomi, parce que Kokomi, vous n'êtes pas censé l'avoir. Et on voit que moi, il est monté 50. Mais vous ne l'aurez pas level 50, vous l'aurez sûrement level 20. Ça suffira largement, mais Coco, attendez, je vais peut-être pouvoir prendre celui-là. Voilà, donc là, on voit que je l'ai monté level 20. Je ne vais pas faire l'élévation parce qu'il me faudrait ces pièces-là et je n'ai pas forcément l'envie de le faire maintenant. Et donc, on voit que cette arme-là, donc, elle est refinement 5. Je vous invite à le faire. Je pense que si vous faites des vœux, vous allez facilement avoir les 4 boucs qu'il faut, plus le cinquième que vous équipez. Montez-le de suite et verrouillez-le au pire pour vraiment pas le gâcher en le passant en refinement sur d'autres armes. Donc comme je vous ai dit, on va regarder un peu ses aptitudes. On va les survoler rapidement et en fait ce qui va nous intéresser, nous, c'est son heal ici ainsi que celui-là. C'est son burst et son skill qui vont être importants. Et là, on peut voir quelque chose. On voit ici qu'en fait, lorsqu'elle lance son E, les attaques normales de Barbara restaurent les PV des personnages dans l'équipe ainsi que tous les alliés proches d'elle lorsqu'elle touche. Les quantités de PV restaurées sont proportionnelles au PV max de Barbara, d'où l'importance de scale sur les PV max de Barbara. Ça va être quelqu'un qui va avoir énormément de PV. L'effet de soin est multiplié par 4 avec des attaques chargées, donc on voit que quand on fait une attaque chargée, ça booste 4 fois le nombre de PV et régénère les PV de votre personnage déployé à intervalles réguliers. C'est-à-dire que si vous avez le E que vous le mettez, vous allez avoir la bulle d'eau qui va tourner autour de vous, on va voir ça ensemble. Si vous changez de personnage, ça régénère les PV de votre personnage déployé aussi. Et bien sûr, Barbara, elle trempe les ennemis. Quant au burst, le burst c'est un gros buff en fait directement, elle va soigner l'équipe d'un coup, en fonction des PV max de Barbara à nouveau. Donc ce qui est important c'est lorsqu'on vient sur les artefacts, on va viser les PV max. Je vais essayer de voir pour faire un set et après je vous le présente. Donc je suis en train de vérifier là et je vois qu'en fait j'ai un set 3 étoiles qui s'appelle l'exilé. Je pense que vous commencez à avoir des pièces au level 20 de ce set qui augmente la recharge énergétique de Barbara. Ce qui est très bien parce que comme ça, elle a son burst assez rapidement et on voit qu'en fait que lorsqu'il y a des déchaînements élémentaires, ça restaure des points d'énergie élémentaire pour les bursts de tous les personnages de l'équipe. Ce qui est pas trop mal. Et on voit que je vise principalement du PV pour cent, même si ces artefacts sont level 0, histoire d'être bien. Donc là j'en ai deux pièces, donc j'ai déjà les 20%. On voit que là j'ai pris PV plus et on voit que bon, j'ai de l'attaque, mais on s'en fout, j'ai des PV un peu aussi, c'est tout ce qui me. Concerne et on voit ici aussi j'ai pris donc là je vois PV pour cent aussi, c'est très bien. Et on voit que celui-là en fait j'attendais déjà un, c'est pas le bon, c'est un érudit exilé. Allez. Voir lequel c'est érudit. Bon, celui-là en fait je pense qu'il n'est pas intéressant. On va voir quand même, il y en a un des quatre des cinq artefacts qui sera pas le bon. Taux crit sur elle, c'est pas ce qui m'intéresse. Sachez qu'il y a sur les casques des statistiques spécifiques et donc il y a le bonus de soin. Et lorsque vous prenez ça sur Barbara, c'est bien. Donc qu'est-ce que j'ai là? On voit que ça c'est un set sacrifieur, on s'en fout. On voit que ah, exilé. J'en ai un très bien avec de l'attaque. Je vais l'équiper. J'ai mon 4 set ici. Donc du coup, ici, si j'ai un érudit, on s'affiche un peu là. Et c'est du PV, donc PV pour cent, donc c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter niveau 4 tous, histoire d'avoir un set à peu près conséquent, et on va voir en fait ce que ça donne. Voilà, ma Barbara est prête. Concernant mon équipe, du coup, j'ai Belle Dandy, mon personnage voyageur. Il est électro parce que je suis allé à Inazuma, donc je vais passer en Anemo histoire d'être comme vous. Bon, voilà, je suis passé sur tous mes personnages. Donc, du coup, elle est level 50, donc là, ça va peut-être bloquer un petit peu parce qu'elle va être un peu plus puissante que ce qu'elle devrait être. Mais bon. Je vais essayer de la jouer comme ça, sinon j'essaierai de prendre un personnage level 20 pour agencer. J'ai aimé cette arme-là en fait, que j'ai monté level 20. C'est une arme qui donne du dégâts crit et du taux crit quand elle est refinement 5. C'est une arme 3 étoiles, vous pourrez facilement l'avoir. C'est pas négligeable. Autour du set, j'ai mis un 4-7 Berserker pour lui donner maximum de taux crit en plus du taux crit qu'elle a sur l'arme. Donc ça va favoriser le dégât crit et je l'ai construite autour de l'attaque et le de. Vraiment principalement l'attaque pour pouvoir augmenter tout ça. Voilà, comme vous pouvez voir. Ici, je pourrais peut-être la jouer en fait avec du dégâts crit. Histoire de. Comme je commence à avoir pas mal de taux crit, en ayant du dégâts crit, peut-être que ça pourrait me faire plus de gros dégâts encore.
Voilà, j'ai changé par du dégâts crit, comme ça on n'est pas trop mal. Au niveau statistique, pardon, on voit que là, j'ai quasiment 50% pour 90. On va partir sur ça, on n'est pas fou. Ces constellations, je ne les ai pas appliquées encore. On voit que... alors attendez, là je suis en électro. Donc ces constellations en animaux, on voit que je ne les ai pas appliquées. J'en ai 5 à appliquer et en fait je ne les ai pas mises pour pas avoir de boost, exactement comme vous, vu que le personnage je ne l'utilisais pas. Kaya, je l'ai buildé avec cette arme-là qui apporte des dégâts hydro en plus, je trouvais ça pas trop mal pour lui. Et un set instructeur pour faire de la maîtrise élémentaire. La maîtrise élémentaire, c'est ce qui va faire que vos réactions vont faire plus de dégâts. C'est un booster de dégâts de réaction. Et comme lui, c'est un crieux, il va faire des réactions. Surtout avec supraconduction ici. Donc on va voir un peu comment ça se joue. Constellation 0 aussi. Et les aptitudes n'ont pas bougé non plus. Concernant elle, j'ai mis donc un bouquin qui apporte pareil que Kaya, mais sur les dégâts électro. Elle a de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie aussi pour faire des dégâts au niveau des réactions. Et puis voilà, pas de constellation ni rien. Et bien, Barbara, en fait, j'ai le constellation 2, mais ça va pas forcément agir sur ces passifs-là. Récupère un point d'énergie, on s'en fout. C'est parti, nana, 15% qu'on fait des dégâts hydro. Donc on verra, en fait, de toute façon, j'attaquerai pas avec elle, donc les dégâts ne seront pas appliqués. Voilà, elle a... Donc on est prêt pour le combat maintenant et on va voir comment ça va se passer. Donc on voit qu'il y a un effet lorsque l'attaque normale d'un personnage inflige des dégâts à un ennemi. La résistance élémentaire et physique selon le type de dégâts infligés de ce dernier diminue de 6% pendant 5 secondes. Donc ça c'est peut-être intéressant à jouer. Lorsqu'on attaque en attaque normale avec par exemple Lisa, si on lui met de la foudre en fait, ça, là, il va être une... Il va avoir en fait la résistance physique ou élémentaire, donc là c'est élémentaire, c'est électro, de 6% en moins pendant 5 secondes et il peut être cumulé 7 fois. Donc on peut voir que. On peut voir qu'en fait lorsque je vais attaquer 7 fois d'affilée avec de l'attaque élémentaire, en attaque normale, hein, c'est marqué, hein, on va avoir 6% x 7. 6 x 7, voilà, ça peut être sympa, ça fait du 42% en plus et cumulé pendant 5 secondes. Il faut pouvoir les enchaîner en 5 secondes par contre. Je sais pas comment les stacks elles marchent, si c'est dans tout leur temps individuel ou si ça reset le temps, c'est pas précisé, mais bon, on va voir. On voit que les abysses, je n'étais pas beaucoup utilisé, comme vous voyez, j'ai essayé de faire des choses ou quoi, mais là j'ai eu Xiangling, j'étais content, et puis salut. Donc en prenant l'abysse 1, ce qui est important de voir ici, c'est qu'on voit que les dégâts pyro infligés par l'équipe augmentent 75%. J'ai pas d'élément pyro, j'ai pas pris un beurre, c'est dommage. Les dégâts de surcharge augmentent de 200%, ça peut être pas mal. Mais c'est seulement si j'ai un pyro. Donc en fait, eh bien, ça ne marchera pas. Donc on voit que cet étage-là, il est important d'avoir un personnage pyro, voire un personnage électro dans notre équipe. Comme ça, en fait, ça fait des dégâts beaucoup plus gros. Et effectivement, en fait, on voit là qu'on a de la foudre, donc le feu, ça marche bien contre eux. Là, on voit qu'on a des monstres de base, ils vont prendre cher avec n'importe quel élément. Et là, on voit en fait qu'on a un peu tout mélangé avec un mage qui craint le feu aussi. Donc est-ce qu'il ne serait pas intéressant que je prenne Ember là pour cette première salle? Voyons voir. Donc voilà, j'ai rajouté à la place du voyageur, je vais mettre Ember. Donc du coup, on va partir sur personnage Lisa, Kaya, Ember, Barbara. D'accord? On va pouvoir se healer ici. On a le feu qui est boosté là aussi, et Kaya en fait qui va faire des dégâts de sub DPS qui seront sympas. Si vous avez deux éléments feu, vous pouvez avoir en fait 25% d'attaque en plus parce que lorsque vous mettez deux éléments feu dans la même équipe, vous avez la résonance pyro qui enclenche l'effet. Voyons voir. Donc là, il est clairement intéressant de regarder. Je vais voir en fait 30% sont supérieurs. Oh, là, l'attaque monte drastiquement les déchaînements élémentaires. Je vais peut-être prendre ça, histoire d'avoir beaucoup plus d'attaque avec tous mes personnages. Et on va voir ce que ça donne. J'ai que des personnages 20, level 20 avec des armes level 20. Donc on va voir déjà, elle, si je fais ça et que je fais ça, comment ça donne. Voilà. Donc on voit que ça agit très vite parce que mes armes, elles sont bien foutues. On envoie Kaya, il faut pas hésiter à geler les ennemis avec Barbara parce que vous voyez que lorsqu'on leur assigne, en plus ça fait des réactions à tous les sens, c'est des électrocutions. Vous voyez que la team là elle est pas trop mal en fait. On va là, c'est de l'électricité contre l'électricité donc c'est un peu mal barré. Je me soigne, voilà, et je repars sur Ember qui fait des dégâts. Hop, et à son burst, on envoie. On va essayer de récupérer le burst de Kaya. Donc on voit que Kaya, il manque quand même relativement pas mal de maîtrise élémentaire. Hop, le bunny. Voilà, et là j'en avoir assez pour mon burst. Voilà. Et donc quand je fais ça après, faut pas hésiter à les geler, hein.
Avec la personnage animaux, je pense que ça marchera encore mieux. Mais après, il faut voir. Moi, je l'ai level 50, donc je ne l'ai pas pris dans la team exprès pour pas cramer les effets. On voit que finalement, Lisa, là, elle n'est pas forcément intéressante. Il n'y a que la surcharge, en fait, qui marche beaucoup. Voilà, comme ça. Ça fait d'énormes dégâts. Mais contre les ennemis de foudre, ça ne marche pas énormément. Par contre, quand on attaque avec l'eau dessus ou la glace, voilà, on voit que ça a fonctionné, que c'est fonctionnel et que mon healer, il n'est pas très nécessaire ici. Continuons sur la seconde partie. Enfin, la compétence élémentaire, là, je pense que c'est le mieux. Les ennemis, là, ça va être plus des ennemis de foudre, donc c'est là que ça va rentrer. On laisse appuyer, tir chargé. Bam! Voilà. N'hésite pas à passer rapidement avec Keya. On met. Voilà. Et on voit qu'avec l'eau, vous voyez les ennemis, quand je les touche, bam! Le bunny il a explosé. Ça a fait une grosse explosion. Et effectivement, elle a bien vu les pourcentages 200% qui ont été appliqués en plus sur l'ennemi. Hop, vous voyez que je peux geler facilement. Et on attaque. Et là, ça va faire des gros dégâts. Parce qu'ils craignent énormément ça. Ils craignent le feu. Et là, surcharge. Après le feu. Pour faire de gros dégâts. Boum. On envoie le skill de zone. On va remettre un bunny. Je peux faire des tirs chargés aussi avec elle qui vont faire que ça va bien exploser. Voilà, vous voyez, en fait, ça fait vachement effet. Hop. On envoie ça à nouveau et on reprend Lisa. On voit que ses combinaisons de surcharge sont tous électrifiés. Et Lisa. On le finit comme ça. Voilà. Ah! Alors eux, bouclier direct. On lui crame son bouclier. Viens ici. J'ai pas touché son bouclier. Vous voyez qu'en fait, ça va pas faire effet tant que j'aurais pas cramé son bouclier. Donc là, il faut pas hésiter à lui faire ça. Faut vraiment le gêner, lui. Sinon, il va vous bloquer en fait les abysses. Voilà, on voit que ça crame bien. Et que au bout d'un moment il va péter. Voilà. Et c'est maintenant qu'il faut que j'envoie du lourd. Avoir le petit bunny. Hop. Son violent. N'hésitez pas à le cramer lui avant qu'il refasse son bouclier. Ok. Il en reste un. Voilà, c'est passé. Donc on voit que là le temps, j'ai pas été optimum. Et en fait, il faut que j'améliore mes réactions entre les ennemis. Et surtout la surcharge qui fait énormément de dégâts. Il faut que je favorise Amber ici. Ce qui est dommage. On va lever de la défense, on va prendre plus d'attaque. Ce qui est dommage parce qu'Amber c'est un personnage que vous n'avez pas utilisé après. Donc si vous avez un autre personnage Pyro, c'est encore mieux. Si vous avez Yanfei par exemple, c'est tout bénef. En plus c'est un gros bourrin. Hop, on va y lâcher ça là. On va y cramer son bouclier aussi. Hop. Voilà, faut pas le lâcher hein. Ok. On a vu qu'il y a eu une petite réaction qui s'est faite ici. On va le finir avec elle. Voilà. Là, on envoie ici. Ça le tue. Et boum. Petite électrocution. Voilà, ça le calme. Ok. C'est là qu'il y a la bosse. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire à elle? Elle est où? Elle est là-bas. Elle craint l'électricité. Sachez qu'elle est électricité, mais elle craint l'électricité. Voilà, ça va m'arranger. Parce que là, j'ai des réactions en masse. Et si je prends et que je fais des réactions d'électrocution dans tous les sens, elle prend cher au milieu. Et là, maintenant, la surcharge. Bam! Voilà, là, on a vu qu'ils ont tous pris. Hop, ça a fonctionné avec la surcharge. Et voilà, donc ça c'est le premier étage des abysses qui a été fini. Donc c'est vraiment important de regarder dans les abysses, en plus d'avoir un healer, des fois c'est pas nécessaire, vous voyez que Barbara je l'utilisais pas forcément un heal, de regarder les effets de l'anomalie énergétique en haut. Là on voit que c'est les cryos en fait qui font sauter 15% et que la durée du gel est grandement prolongée. C'est-à-dire que là si vous avez Barbara et que vous mettez Kaya dessus, ça risque de vraiment en fait immobiliser les ennemis et quand ils sont gelés, eh ben, vous pouvez soit taper avec une épée lourde ou une attaque géo dessus. Et ça va faire un shatter, ça va faire des dégâts physiques. Soit vous pouvez faire une fonte avec du pyro et ça fait des dégâts x2. Donc en fait, c'est important. Et regardez aussi par rapport aux ennemis qu'il y a. Là, ça craint le cryo à foison. Et le pyro aussi d'ailleurs. Ici, là, on voit que ça craint
le cryo. Le mage, il vous faudra du cryo absolument pour casser son bouclier. Donc on voit que là, c'est cryo plus fus. Et ici, on voit qu'il y a encore un mage. Et on voit le Bruto Shaman qu'il faudra tuer en premier parce qu'il va soigner tout le monde. Vous allez tuer lui, après vous tuez le mage. Et ça sera fait. Donc il y a des techniques à faire, vous voyez. Ici, on tape dans le tas. Ici, lui, il faut lui casser son bouclier rapido et le fracasser parce qu'il peut vraiment vous ennuyer. Que ses bulles, il peut vous immobiliser. Idem là, mais c'est celui-là qui va être de prime abord à tuer parce que c'est lui qui va soigner tout le monde. Et donc voilà, donc là vous avez une équipe en fait qui fonctionne aussi ici. Maintenant avec Anemo, je pense que ça serait mieux parce que les ennemis, vous pouvez les paquer, vous pouvez les centrer à un endroit, les rassembler et faire des dégâts plus groupés. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pensez que les personnages comme Ember sont pas très importants, donc si vous avez un autre pyro, favorisez-le. Si vous avez Yanfei, c'est juste parfait. Il est important aussi de voir au niveau des artefacts et de la puissance que vous avez, et c'est surtout les réactions qui vont vous sauver la vie au début dans les abysses. Il est vraiment aussi important de monter un maximum les personnages clés, un ou deux personnages, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, histoire d'avoir dans l'équipe un personnage qui est fort et d'autres qui le supportent. Là, quand on est level 20, je ne sais pas si on est capé au level 20, c'est le personnage, ou si on peut monter jusqu'au level 40, mais toujours est-il, on voit que les abysses sont compliquées à ce niveau-là. Et qu'il faudra peut-être attendre un petit peu plus tard pour avoir toutes les étoiles possibles. Cependant, n'hésitez pas à les faire pour avoir Xiangling, parce que elle, vous la prenez, vous la montez illico. C'est un personnage top tier. Et plus en fait vous l'aurez au level, et plus elle va vous apporter des dégâts en sub DPS immenses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça fait plusieurs fois que tu auras des vidéos, encore une fois, merci de t'abonner. Il y a beaucoup de personnes, 90 personnes qui auront mes vidéos ne sont pas abonnées. Si elles vous plaisent, faites-le. C'est important pour moi pour le référencement. Ça me supporte. Cap vers les 1000 abonnés. Ça, on aura cet onglet communauté. Je pourrai communier avec vous et voir tout un tas de choses ensemble et prévoir des vidéos et des événements. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur mes lives Twitch. Vous trouverez aussi le lien en description et dans mon Discord des informations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!